Yes, yo guys! Big Life récap, récap GDC. Ah, le petit test de son comme d'hab. Yo Sky, quand ça va BG, man? Yo, what's up, Nate? Là, on est en big guerre contre le clan. Ils sont à 14 GDC d'affilée, fait qu'il va falloir que je sois sérieux dans cette guerre. Parce que là, nous autres, on est à 5 wins d'affilée, fait que si on veut les éclater, à moins qu'il y ait une full perf, ça finisse sur une égalité, puis j'ai full perf. Faire une présentation des villages. On va faire le replay de la dernière GDC que j'avais faite. Je l'avais fait hors live. On a fait un full perfect. Je vais regarder les villages avec vous autres. Clan adverse, on commence pas en bas là, il y a des petits TH8 là. Tu redoubles, Nate! Fait que c'est passé, big. T'as pas fait tes devoirs, man. Ah, un petit TH8 un petit peu préma, un petit TH8 max. Un TH9 quand même bien max. Total max, je pense. Ils sont à l'héros. Ouais, ils sont max. Un TH10 max. Ils sont un peu les, pas les remparts, mais la reine, ouais, c'est quand même bien max. Un autre TH10 totalement max. On a un autre TH11 qui vient de passer TH11. Hein, mais il y a quand même des trucs de max, mais il n'est pas tout à fait max. Hein. Il y a le Lagartier en haut, niveau 2. Yeah, curieux, man. Big, check le clan qu'on a en face, man. Et on a du solide, big. Là, nous autres, on est à. Je vais prévoir un petit récap de la GDC qu'on a faite. J'ai fait un full perf sur la dernière. Ben, la GDC de tantôt. Là, j'en ai restart une, mais. Là, on est à 5 wins d'affilée. Puis le clan en face, par contre, celui qu'on vient de pogner. Là, ça va être notre 100e victoire. On est à 99 wins, là. Le clan en face qu'on vient de pogner, c'est. Ils ont 14 victoires d'affilée. Là. Je pense qu'ils sont pas mauvais. Là. Oh, la GDC commence dans 13h. Je vais vous faire un petit récap. Je vais continuer les villages jusqu'à j'étais rendu. Là. Je pense que j'étais rendu au 8 à peu près. Là. Yo, what's up, Mikob? Comment ça va, mon frérot, man? On a un TH12 plutôt max comme un 10-11. Ouais, il y a leg de TH12, ok, on est quand même avancé. Si on a un TH12, bon, il est au max comme un TH. Il y a des trucs de TH10, mais il est TH11. Ah non, je t'attends. Hey, je m'en vais du mauvais côté. Attends, le 8 c'est un TH12. On en retombe sur un TH11. Ok. Bon. Non, je suis en train de descendre. J'ai l'air dans mon temps. Okay, ouais. Et là, on est sur un autre TH12. Lui, il est maxé comme un TH11, mais avec de niveau 3. Puis en haut, ça va être. Plus qu'on monte, plus c'est maxé. Là. On a un beau TH12. On a un autre beau gros TH12 maxé. Presque maxé ici. Ici, on a un AGP12 full max, sauf les remparts. Gros, mais là, je suis pas un même combat, mais. Écoute, ça va, Mikob? On est en train d'enchaîner notre 6e victoire. Je vais faire un récap de la 5e victoire qu'on a faite en. J'ai fait en live. On a un big TH15 en face. Nous, on a pas de TH15, mais eux, ils ont un sale TH15, man. Il y a un sale TH15, puis il est quand même bien max. Il y a des petits tours de TH13, mais tu sais, il est fucking max. Même les remparts, là. Ben, ici, c'est des remparts, TH14, puis TH. TH13, ouais. Puis là, on a le 1. Le 1, il est bien max. Il y a même les clôtures de TH15, là. Ouais, il est crazy, là. Puis il y a les héros 93, 90. Il est vraiment. Ouais. 71 millième mondial. Puis nous, ben, on a un TH14 à la place de leur TH15. Donc, mais sinon, en bas, c'est pas mal équilibré, là. On a des TH9 pour leur TH8, mais.
sont pas toutes max, mais TH9, fait que c'est équivalent pas mal. Puis on a des TH11, ils ont des TH11. Ils ont deux TH10, on a un TH10, fait qu'en tout cas, on a des TH12. Mais en haut, par exemple, ils sont meilleurs en haut parce qu'on a le fucking TH15. En tout cas, je vois quand même. Ça dépend si on la gang. Si on la gang, je vais me faire un récap de cette guerre-là. Là, guys, on va s'en aller sur le récap de la dernière guerre. Un full perfect contre Magic Game. Pour commencer par leurs attaques, le 2 il a commencé. Le 2, je pense que c'était un TH14 qui attaquait sur un TH13. Il s'est fail là, en fait. Là. Ouais, le molosse de glace qui sort avec les archers que j'avais mis en CDC, c'était très bon comme CDC. J'adore, je les ai même remis dans cette guerre-là en espérant que ça va nous aider contre le gros clan qu'on a en face. Ça, c'est jamais égal, Mikom, en fait. Je pense que ce soit égal, mais c'est jamais égal, pas en tout. Ok, là, on a sur une attaque électro-dragon avec le combo héros juste derrière, puis un petit Queen Walk sur le côté droit. Il a boosté ses héros en plus, il a mis la petite potion héros pour se mettre bien, histoire que ça fasse quand même facile, mais ouais. Ça, c'est des dragons en plus de TH14 sur un TH13 qui est même pas tout à fait max. Fait que... Ah, regarde cette potion-là, Sam. Ça paralyse toutes les défenses là, pendant genre 10-15 secondes, je pense. Ouais, mais ça, c'est bien plus fort. Mais ça prend une place de plus, genre. Ça prend la place de deux gels. Ça dure genre 15 secondes, je pense. Là, on a un gros fail sur un TH13 no max. T'as pas juste manqué le message, j'ai mal fait le secondaire 4, Nate! Il est-tu au big secondaire 4, big? Les doublés sont 3. Normalement, t'as des EP pour secondaire 3, ça passe au secondaire 3 là. Là, au 2, mais t'as beaucoup moins de chupes encore. Parti c'est l'attaque. Ouais, là, c'est par exemple, c'est le TH14 qui a attaqué mon TH12. Ouais, un autre électro-dragon. Là. Ça va partir sur un coup le perfect, mais là, c'est quand même un TH14 qui attaque mon TH12. Je vais quand même la présenter. On la met dans x4. On va la regarder les autres petites attaques qu'ils ont fait sur nous. Électro-dragon, c'est pas assez easy. On a la petite potion qui est mise au milieu, potion de racine, une rush même un rage. Je sais même pas si on va l'utiliser. Ouais, l'utiliser pour la championne. Championne qui va peut-être mourir, non, même pas la capote de la championne qui est activée. Que la championne des trois dragons avec le Warden qui finissent la job. Là, on est sur un full perfect. Là, on a un fail. C'est-tu TH13? Donc, 5e. Non, c'est TH12. TH12 contre TH12, attaque de TH12. Encore une fois, attaque électro. On envoie les héros au nord avec la charrette pour que ça rentre. Deux ballons pour déclencher les pièges avant d'envoyer le combo dragon. Les capas du roi, les capas de la reine aussi qui vont être activés dans pas longtemps. L'aigle qui est déclenché. On a le. Ok, lui, il envoie vraiment trop en tas ce dragon là, mais. Peut-être que c'est une ligne. Ah, le molosse de lave qui fait vraiment. Le de glace qui a fait chier. Non, je pense que c'est un golem de glace que j'avais mis. Golem de glace, il a tout congelé les dragons à la même place pendant genre 5 secondes. Ouais, puis ça passera pas au milieu. Je crois que la HDV va quand même tomber, mais. Peut-être que c'était 1 étoile 87, je pense que c'était 1 étoile. Ouais, c'est 1 étoile. On est parti sur une étoile de 72%. Big fail TH12. Là, c'est encore un TH12, mais mon TH12 n'était pas totalement max. On va regarder. Là, ça a passé sur encore aux électros encore. Les autres, ils ont bien aimé attaquer aux électros. Je pense qu'on va attaquer pas mal juste avec ça. Fait que, je pense que leur gameplay va être pas mal dragon. On a encore le même combo. Ok, il prend l'aigle artilleur juste avec le big dragon qui sort. Ça n'a pas tanké tant longtemps. Parfois 4 aussi, mais bon, ça a passé. Je pense que ça passe quand même large. C'est quand même. Mon TH12, c'est pas tant large que ça là. C'est le Warden. En plus, je sais même pas si on passe où. Si on voit, ça règne. Ok, si on voit, il est mort au début, ça règne aussi. Comment pas les TDE.
Là, on va regarder des petites attaques TH12. En bas, ça devient moins intéressant. Les HDV sont plus bas. Ici, je crois, qu'on est, ouais, on était sur un perfect. Mettre en x4. Combo dragon, c'est tout. C'est peut-être trop vers la gauche, mais. Est-ce que ça a passé? Est-ce que ça a passé? Je crois que ça passe pas tant que ça. Non, ça a pas passé du tout en fait. C'est un 2 étoiles. Je croyais que c'était un 3 étoiles. J'ai pas vu quand j'ai cliqué dessus. On a fini sur un 3 étoiles 80%. 479. Petite dernière attaque TH12, guys. Après, on va aller voir les attaques que j'ai faites sur leur village. Juste des perfects. Là. Ici, on a. Ici, on avait-tu un. J'ai pas vu encore. Je pense qu'il y a peut-être 2 étoiles. Regardez là, le gars il attaque. C'est Go. Go Soso, je pense, ouais. Golem sorcier sorcière avec combo héros. Il a mis un électro dans. Ça n'a pas passé du tout son affaire. Je pense qu'on va finir genre sur un 75%. Ouais, 61. Même pas. Il manquait de temps là. Parce que le canon il allait tomber. Hein. Bon, guys, on va aller regarder les attaques en face. Ça, c'est Sabi qui l'a fait cette attaque là. Ouais, c'est l'attaque sur, de Sabi sur un TH. Allez, au tournoi, c'est ça. TH10 vs TH10. Donc là, on part sur un sorcier golem, la combo boulisse, là, la big combo boulisse à droite. Les combos ils rentrent quand même bien, là, ça va tout au milieu. Là. Il n'y a aucun contournement, les petits sorcières qui clignent quand même sur le côté, mais les héros et les boulisses sont tout au milieu. Là. Quand même, c'est une belle attaque. Flèches sont déclenchées, le roi qui se régénère à mesure qu'il frappe, qui est quasiment invincible, il tank vraiment bien. En plus, il reste encore tous les golems en vie. Ah, il reste plus des petites mines en haut. Puis ça a été bien géré. Ah, la petite canne d'ouvrier en haut. Ah, putain, gars, il a mis une tête de mort. Hein. Bon, j'ai 100% avec même un gel qui reste à la fin. Gel du CDC. Oui, c'était une belle attaque, Sabi. Sabi qui l'a fait, là, on part sur mes attaques à moi. Ça, c'était-tu un TH11? Ouais, c'était un TH11. Même compo que j'utilise pour TH10, mais là, je l'ai utilisé en TH11. Je suis parti sur la gauche avec une big attaque sorcière golem. Ouais, là, ça nettoie le genre. Avec les petits squelettes que ça régénère, là, la ligne de sorcière, plus les golems, là, c'est quand même assez crazy. Là. La reine qui tombe avec le roi. J'avais boosté mes héros, ouais. J'avais boosté mes héros 50. Fait que. Hey, les gars, je pense que la musique est pas trop forte, hein, quand je parle. Non, c'est bon, la musique elle rentre. Hein. C'est bon. C'est pas que je voulais faire ça que la musique. J'ai testé tantôt un peu, mais. L'armée de squelettes qui s'en vient, les deux golems qui sont déjà en avance pour tank. Que, en plus, je mets un Yeti dans mon CDC, comme ça, ça tank en même temps. Puis les Yeti font vraiment mal aussi. Bon, c'est un 100%. Est-ce qu'on tombe tout de suite sur un TH12? Peut-être qu'on a un autre TH11, guys. Un autre petit TH11 avant. Là. La même compo qu'on a utilisé juste avant. Golem, sorcière, avec. D'habitude, je mets des foot pour détruire les TDE, mais là, les TDE sont même pas en mode. Sont pas en mode multi, fait qu'ils sont en unique. Ça va quand même très bien passer quand même. J'utilise soit ces potions-là ou soit des foot avec des CS comme ça. Genre, la seule affaire qui peut faire chier les sorcières et les squelettes, ce qui est le plus gros. Si les sorcières, pas les sorcières, la compo est nulle de toute façon, mais pour pas qu'ils meurent. C'est ça, je détruis les petits TDE, mais là en mode unique, ils se focus sur tous les petits squelettes. Fait qu'ils ont même pas le temps de détruire, ils se font détruire en moins de deux. Là. J'ai congelé ici avec la tour d'archi et la tour à bombe. Mais la tour à bombe, on faisait pas trop de dommages encore. Là, on a notre big roi avec les sorcières qui sont rendus au milieu. Je pense que je vais peut-être sûrement enrager ça au milieu avec un soin, si je me connais bien. Je vais mettre un rage. Ouais, je vais mettre un rage là. Je pense que le soin, on va le mettre ici en bas là. La télé, il devrait tomber dans pas long. Elle focus sur toutes les petites squelettes de toute façon en bas là. Je vais mettre en x2. Puis là, en plus, on a 4 sorcières qui
cleanait le côté gauche du village. En vrai, c'était avec le petit golem qui tank les défenses dans le petit casso en bas. Il reste la reine, il me reste même le pouvoir de la reine. C'est quand même large. Comme attaque, c'est quand même pas si pire large. On va activer le pouvoir de la reine avant pas longtemps. Il nous reste un petit tour d'archer avec 4 sorcières, le roi à moitié de vie. On s'est quand même bien passé large. Ah, ils ont même pas tout attaqué, ils ont abandonné. Ils ont fait 25 étoiles. Leur 1, ils ont même pas attaqué. Je les avais perfect dans le même 2 heures, fait que les autres, ils ont give up ou bien ils ont été inactifs, un des deux. On a un big TH11 max, guys. TH11 vs TH11. On passe sur. Attends, petite compo bouliste sorcière, golem de glace. Là, ce que j'ai fait, j'ai placé la ligne de sorcière, la ligne de golem de glace juste avant avec la charrette pour faire la big ouverture. Là, l'histoire, ça va être essayer d'aller ouvrir le casseau avec les deux archics. Parce que là, les casseaux avec les archics, c'est dangereux. Surtout les deux archics ensemble de même. Puis normalement, ma bûche va pogner les deux archics, va détruire la première clôture, les deux premières clôtures, puis elle va aller chercher le leg artilleur. Je pense pas qu'elle va le détruire, mais elle va quand même bien l'abîmer. Regardez, la bûche, elle passe. Là, je pense qu'elle se rend pas encore, mais elle continue à avancer. Fait qu'elle va vraiment pogner le leg dans vraiment pas longtemps. Ouais, elle commence à pogner le leg. Les deux archics qui se font même pas encore attaquer, c'est juste le lance-bûche qui va les pogner. Fait que avec le lance-bûche qui a été très bien placé, on va vraiment tout prendre. On va prendre quasiment le plus important. C'est sûr qu'il va rester les TDE, c'est côté, mais ils sont en mode unique. Fait que ça dérange vraiment pas beaucoup. Là, on a la bombe qui va faire très mal ici. Là, côté droit, on est rendu pas mal faible. Le golem de glace qui va éclater dans pas long. Mais il va rester des petits sorcières, mais je pense qu'ils vont se faire éliminer tout de suite après. Là, on avait pas. Mais on a un big combo encore sur la gauche. Même quand ça va. Même si ça tourne. Les golems de glace qui font le taf, ils ont été finir le gardien au milieu. Le roi qui tourne un peu mais qui va aller chercher le roi ennemi. La capa a déjà été utilisée par contre. Je pense qu'il réussira même pas. Avec les sorcières. Ok, les deux rois qui vont tomber à peu près en même temps. On a un petit combo à droite. On a full golem de glace. Tous les golems de glace ont été à droite, mais il y aura juste une petite sorcière qui tire en arrière. Fait que. Quand même aller prendre la petite tour d'archer. Peut-être la tour de. Ah, ça congèle, parfait ça. Il nous reste le pouvoir de Warden, il nous reste encore full potion par contre. Je vais mettre en x2. Ok, le rage qui est mis pour les archics. Je pense que je vais mettre un soin dans pas long, ouais. Et histoire de garder les seuls boulisses qui nous restaient à la fin. Là, le seul problème, c'est la TDE ici qui reste avec tour d'archer, tour de sorcier. Là, j'ai activé la capa du Warden. La reine qui va venir faire le taf. Il nous restait le pouvoir de la reine, mais je l'ai activé à la fin pour que ça aille plus vite. Est allé chercher la TDE easy. Ouais. Là, on va être sur un autre attaque TH12, maybe le 11. Non. Ok, on leur tombe sur un TH11. Ah, on était sur un autre TH11. Ouais. Là, c'est une attaque TH12. Non, c'est une attaque TH11 encore. Je croyais que j'avais attaqué avec un TH12. Même histoire, on met les trois golems de glace, la big ligne de sorcière, histoire de tout cleaner. Après ça, on va envoyer le combo héros, ce que la charrette a. Ce qu'il y a eu l'ouverture, dans le fond. Et en plus, elle a eu le temps de détruire ici, fait que normalement, toutes les boulisses vont s'en aller ici, vont toutes s'enligner. La reine, elle va tourner. On rappelle plus. Ok, la reine a tourné. Ok, bon, on a eu un petit fait de la reine a tourné, mais c'est pas grave, elle va quand même prendre sur le côté, puis il y a quand même le big roi avec le sale combo boulisse meurtrier au milieu, là. On a ce console-là qui va tomber dans vraiment pas longtemps. On a un autre combo boulisse sorcière en haut. Les deux rages qui vont être utilisés, les deux soins. Il nous reste trois gels, un soin, on est large. Il nous reste la capa du Warden. Peut-être la capa du Warden en haut là. Non, même pas, je l'avais pas activé tout de suite. Ok, j'ai congelé ici pour que. La TD unique, elle me faisait quand même bien chier. Mais là, ici en plus, on a deux golems de glace. Deux géants pour faire chier. Je l'avais recongé, fait que c'était bien. Il y aurait juste une nique en haut, mais je pense qu'avec le tas de sorcières qui arrivait là, ça a tout tombé quand même. C'est déjà une cob, j'ai juste pris ça. Ouais, ça tourne beaucoup, mais là j'ai ma reine qui a tourné, mais là, check, elle a fait un tour de village, mais t'as quoi en vie, elle clignait tout vers la gauche en bas. Ok, là, on lui reste genre 12 sorcières. Qu'est-ce qu'on a aucune sorcière qui est morte. Bon, on attaque un petit peu plus haut, parce qu'on est sur un TH12. On est effectivement sur un TH12.
de peut-être plus maxer comme TH11, mais ça part pour la même compo, les troupes en TH11 encore, avec les héros TH11. On a la reine d'un niveau plus en TH12, mais c'est pas mal des héros TH11 qu'on a ici. Les boulistes qui font le taf, qui passent au milieu, ils vont aller dans leur petite tranchée. La reine, je pense que ouais, j'avais mis un petit gel ici, histoire que la reine ne meure pas tout de suite. Je pense que j'avais remis un gel, ouais. Là, la reine va take la TDE unique. Puis après, ça va tout se rassembler ici en haut, puis ça va tout en redescendre, aller chercher la... Et en plus, il nous reste deux soins. On est là. Je vais mettre en x4. Il reste le pouvoir de la reine aussi. TDE multi qui fait très mal, mais on a deux soins, fait que la reine qui était la tech easy, on a le pouvoir de la reine qui est activé, et c'est le 3 étoiles. Le 9. Normal, ça c'est un TH12. Ok, Maxicon est TH11. Oh, Zélectro! Intéressant, là c'est à nous d'attaquer aux Zélectro. On a fait un petit combo électro ici. Les ballons, le méga ballon qui est envoyé. Là, on a 7 gels, 3 rages. On va peut-être mettre. Ok, là, j'en ai gelé en haut. Je pensais que j'avais mis. Normalement, je mets un rage ici. Exactement. Là, ils sont vraiment tous collés. Fait que là, ça va faire un sale massacre. J'ai attaqué ici. Normalement, je fais une ligne un peu plus grosse, comme que je disais tantôt. Là. Je disais que l'autre attaquait un petit peu trop collé. Mais moi, c'est parce que j'étais programmé pour aller chercher les anti ici. Puis toute l'aigle. Je voulais vraiment que ça rentre au milieu du village. C'est pour ça que j'ai évité un peu la ligne, là, mais c'est ce que j'ai. Ouais, j'avais mis un gel. Il nous reste la petite dernière anti, mais là, le méga ballon qui tinque en masse. Alors, en plus, on a le molosse qui sort du méga ballon. L'anti-aérienne, elle fera vraiment. Elle fera plus de damage pendant un méchant bout. Là. Même l'anti-aérienne fait qu'elle n'a même pas de damage au molosse. Le molosse, je pense qu'il est en vie tout le long. Ouais. Il est vraiment bien tank. En plus, on a juste des petites finitions ici. Il nous reste quand même une bonne armée de dragons avec la reine. Presque plus en vie, mais on a le Warden Full Life. On était quand même large sur cette attaque-là. GG. Ok. On est sur une attaque full TH12 max sur un TH12 semi-max. Il y a peut-être juste les tours d'archer qui sont pas max. Et puis un peu de rempart. Un peu de canon aussi. Là, on est sur une compo boulisse. Ok, j'ai parti par en haut ici. Enfin que tantôt, comme les compos boulis qu'on a vu, utilise la charrette. La charrette, c'est vraiment pour aller chercher le plus de casseaux possible ici. Aller chercher la reine, aller chercher les deux Arc-X. Et on va même aller chercher... Ah, je crois que ça ne pogne pas l'Arc-X de gauche, mais c'est pas grave, ça va quand même chercher la tour de sorcier ici. Ça va vraiment aller enlever beaucoup de vie à la reine aussi. Ouais, la reine qui est presque morte juste avec la charrette. Ouais, elle est morte avec la charrette. Là, la TDE ici, elle me faisait bien chier, parce que... Ouais, j'ai été obligé de mettre un gel. Je pense qu'on va même activer la capa du Warden ou ouais, mettre un soin. Puis au milieu, on avait pas beaucoup de troupes. On a 3 boulis, le roi qui meurt. On a un petit combo qui va prendre la gardière avec les sorcières. Ça a quand même bien déroulé. On a le T2 multi qui a vraiment fini les boulis au milieu. Il nous reste des golems de glace. Il nous reste la reine au milieu quand même. Là, il reste juste les T2 multi. Quand je vous dis que les T2 multi, ça fait vraiment chier. Là. Et en plus, les boulis se tournaient. Là. Ça a vraiment pas tout rentré. L'attaque se passait très mal là, au début. Là. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, ça va quand même finir sur un perfect. Peut-être, je crois qu'il restait pas beaucoup de troupes, mais... Ouais, ça s'est quand même bien déroulé. La reine, il restait plus beaucoup de vie, mais... Elle a tenu le coup, en plus, ok, on a fait un peu la clôture. Ouais, la TDE multi, elle prenait vraiment tous les squelettes. Là, je me demandais si j'allais perf, là, je pensais que c'était fail. En plus, ça frappait la clôture, mais la clôture était one-shot. Comme par magie, fait qu'elle a été chercher ça, sinon je crois que c'était mort, je crois que c'était fail. Je crois que c'est la charrette qui avait déjà affaibli la clôture là, juste avant. Mais ouais, la reine est venue one-shot la clôture puis elle est venue finir la TDE, fait que ça allait sauver. Ça c'est un petit peu un village n'importe quoi là, je l'ai attaqué avec un TH11 guys. Mais ouais, c'était parce que ça c'est un village TH12 un peu n'importe quoi là. On a un village que toutes les créatures sont en haut, là, mais ouais, c'est un peu du n'importe quoi, mais je vais quand même vous montrer l'attaque, puisque c'était quand même un petit perf pareil. Maintenant, en x2, on a le combo boulis. Normalement, ça va, même si ça suit tout, il n'y a aucune clôture entre les défenses. Que
Ça a pas trop de misère à avancer là. Je crois que la capa du Warden, je vais l'activer, et voilà. On a les héros ennemis qui viennent de tomber, la bombe ici qui fait un petit massacre, mais ça va, il nous reste quand même le combo sorcière au complet. Il nous reste des petits boulisses en bas ici à droite. Il nous reste le roi encore en vie, j'avais mis un petit soin histoire de le soigner un petit peu. Puis il nous reste même un gel, on passe extrêmement large. Mais encore une fois, le village était quand même assez facile. Hey, presque ta veille de passer au TH13. Ça, c'est un village connu. Je l'ai attaqué avec un TH13, celui-là. C'est un TH12 max, je l'ai attaqué avec un TH13. Il me restait des attaques en trop, fait que autant les attaquer avec le TH13, ça passe en contenu. Mais j'avais mes petits. Mes héros, par contre, sont TH11. Ce compte-là, les héros sont pas finis de max. Mais j'ai des troupes de TH13. On a une attaque dragon. On peut mettre en x2 parce que ça a quand même plutôt bien passé. Ici, il n'y avait pas de tour de sorcier, fait que j'ai envoyé tous les sorts de chauve-souris. Ça, en fait, je crois que ça va même remonter la TDE multi. Unique. Même pas. Ça n'avait même pas remonté. Ah oui. Peut-être. Non, ça n'avait pas remonté la TDE multi. Unique. Si ça tombe, il nous reste. On a une armée de ballons, il nous reste quelques dragons. La TDE unique, 1 HP. On a la reine encore avec le corps de sa vie. Il nous restait la championne à 1 HP, mais ça a quand même passé large. C'est du TH13. Ici, c'est une attaque de TH12 max sur un TH12 max. Ouais. J'ai attaqué carrément à l'inverse de l'HDV. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Je me suis dit, c'est un 3 étoiles. Pour attaquer pour 3 étoiles, de toute façon, je voulais aller prendre la charrette qui va prendre la reine, l'aigle, puis la TDE unique. Ouais. En tout cas, presque, là, il reste quasiment même plus vite. Ah, ça a pas touché la reine, juste pour la suite, elle s'est tassée, mais le combo, il est vraiment. Toute l'attaque est rentrée au milieu du village. Le roi qui va aller. Je crois qu'il va aller sa reine. On va activer la capa, un big rage aussi, un gel même. Histoire que toutes nos troupes soient. On a un soin là, sur la gauche. TE, une Nick qui prend. Multi qui prend. Les sorcières à droite, on n'a plus de combo à droite. On a toutes les troupes qui allent sur la gauche. On a la reine qui porte tout seul sur la droite. On peut mettre ça en x2, voir ce qui va se passer. Le roi qui meurt, la reine aussi qui va mourir. Je crois même pas qu'elle prenait. Ouais, elle va prendre l'Arkix, mais elle va mourir là-dessus. Bon, on a un combo boulisse avec la capa du Warden. Puis un autre soin qui nous reste. Ouais, l'HDV qui fait vraiment mal. Hein. Elle va prendre même le golem de glace. Elle a pris quelques boulisses aussi avant. La capa du Warden qui est activée. En plus, l'HDV, quand elle explose, elle a une big bomb. Fait que je crois qu'elle allait faire mal un peu. Ouais, elle nous a enlevé un peu de boulisse, mais ça va. Il nous restait quand même un petit peu de tank, plus des attaques boulisse avec une sorcière. Le Warden aussi qui fait un petit peu mal en arrière. Je crois que ça avait fini short en salle, cette attaque-là. Si je me souviens bien, il restait juste le Warden. Ouais, tout mon combo est mort. On m'a dit 100 × 1. Les deux boulisses. Ah ouais, la TDE multi, ça faisait beaucoup trop mal. Puis en plus, le Warden. En plus, il y avait vraiment le. Le Warden, il frappait la TDE multi. Il est allé chercher. Ouais, il est allé one-shot la tester après. Ouais, c'était une belle attaque. Une attaque TH13 sur un TH12-13, en fait. TH12 semi-13 en fait. On en repart avec mon attaque que j'aime bien en TH13, l'attaque dragon, ballon, chauve-souris comme ça. C'est plutôt bien. On a incliné les côtés. On a les dragons quand même qui rentrent au milieu, qui va aller chercher l'aigle d'artilleur dans vraiment pas longtemps. Je vais mettre en petit x2. Les héros, je crois que je les ai mis en haut. Tout en haut, ils ont tourné à droite, mais je pense que ça je voulais qu'ils clean quand même. Je sais pas trop ce que j'avais encore comme idée avec les héros qui tournent à la droite en ce moment précis-là, mais c'est l'antirienne qui fait très mal, mais la championne s'en est chargée. On a un petit combo dragon qui reste encore. Le gardien avec full vie, la reine full life, même la championne est encore en vie. Attaque très large. Ça part sur une attaque TH13 contre TH13 totalement max.
J'avais utilisé une petite potion d'héros, même si j'ai les héros 77, je voulais que mes héros soient 80 parce que fallait que je perde le TH13, j'ai pas énormément d'attaque TH13, c'est que il me restait cette attaque TH13 là, puis je voulais me garder une attaque TH13 pour cleaner, pour ouvrir sur le TH16 en haut là. L'attaque TH13 qu'on a, petite passe qui se déroule très bien à date, on est parti sur en haut avec un foule de sorcières. On a Yeti à droite qui teint très bien. On a tous les héros avec un rage de la championne, capable championne qui est activée. Et on a l'HDV qui va se déclencher. Peut-être un petit gel et voilà, exactement. Il nous reste 3 soins, 1 gel encore. C'est encore plutôt large. Je pense que l'attaque passait quand même assez, assez large. On reste une petite TDE unique. Je crois que la championne va aller la chercher, si je me trompe pas. Ouais. En plus, on a le. Non, j'avais pas le Phoenix. On avait un HP, mais le Warden est allé la finir. Il nous reste quand même assez de troupes encore. Fait que l'attaque a été quand même bien faite. Le guys, c'est le Serious Moment. Avec mon HDV 16, j'allais attaquer les deux premiers. On a attaqué le deuxième, c'était un TH 14. Puis après, on va regarder l'attaque TH16 sur le TH16. On a quand même un TH14 assez bien avancé, les TDE, les Arc Kicks, mais c'est juste les tours d'archer, peut-être les tours de sorcier aussi, mortier. Mais l'hôtel avait 5 étoiles ici au milieu, fait que on a quand même un beau TH14. Pas totalement max, mais bon, quelqu'un qui vient de passer TH14, même s'il n'a pas fini son TH13. On est quand même une compo TH16, fait que ça va encore une fois passer assez bien. Là ici, c'était d'ouvrir milieu du village en prenant la TDE Arc-X HDV. J'aurais pu peut-être la mettre un petit peu plus vers la gauche. Moi, je crois que j'aurais pas pogné l'HDV sinon. Là, au milieu, on fait un carnage. Champion ennemi qui vient de tomber. On a des boulisses qui ont été dans le casseau de gauche, les héros. Ça part un peu dans tous les sens, mais on peut voir qu'on le met en x4, ça a quand même passé énormément large. Les héros sont tous là, sont tous full life. Il reste des sorcières en masse. Que ça a été un big 3 étoiles assez facile. De toute façon, c'était un TH14. L'attaque ultime! C'était TH16 quand même, ben, max, mais. Tour d'archer de level TH16, TH15, même TH13. Bon, on peut dire que c'est quand même un TH16 15,5, on va dire. Il est quand même bien avancé. En plus, les héros sont à 95. Soit le Warden qui est 68 sur 70, on est vraiment quand même bien avancé dans le village ennemi. Ici, on part sur une attaque au nord. En prenant l'Egartier tout de suite en partant, histoire qui a fait vraiment pas mal aux troupes durant toute l'attaque. Comme ça, on peut cligner tout le village sans que l'Egartier soit dans nos pattes. Tous les héros qui ont été aussi envoyés, ça va quand même clean assez bien. Le combo bouliste qui reste au milieu, la charrette qui est encore en vie. Qui vient d'ouvrir, on va bien envoyer les tanks, les golems de glace. Il nous reste un rage, un soin. C'est parti un peu à gauche, un peu à droite, mais le milieu a quand même été clean, fait que c'est correct que ça parte à droite puis à gauche, ça va finir de clean le bas aussi. Parce qu'au milieu, de toute façon, il y avait des doubles remparts, mais on a quand même traversé assez facilement. Ça a pas trop. Si on n'aurait pas pris le milieu, peut-être que. Mais l'attaque est quand même large, fait que peut-être que ça aurait quand même passé. Mais là, de toute façon, on a été sur une très belle attaque, et en plus, il nous reste même le pouvoir de la reine. Un PK, le Warden qui est full life, on va mettre en x2. C'est très bien passé, c'est très belle attaque, TH16 vs TH16. C'est ce qui nous a permis de faire un 45 étoiles full perfect au clan Magic Game. GG à eux quand même. Puis là, dans la guerre actuelle, on est quand même sur un 1v15 sur un clan qui est quand même assez costaud en face. On espère que ça va bien se passer. Pour la suite du live, on peut quand même se taper. Toutes mes informations sont prêtes. On peut aller se taper. On va peut-être mettre un CDC avant de partir.
On va aller taper des tâches-chaises. On va essayer de se trouver des beaux tâches-chaises assez stack. Avec au moins 500 000 de d'or et. Ça, on a un tâche 15. Ah, ben un tâche 15. On va y aller sur un tâche 15. Un tâche 15 est. Il est assez. Il est max comme un tâche 14, mais. Il y a l'aigle de TH15, on va l'attaquer. Après, on va essayer de partir vers le haut. Si on part vers le haut, on va pouvoir prendre la TDE multi, on va pouvoir prendre l'aigle artilleur, on va pouvoir prendre le canon, la tour de sorcier, peut-être une des tours d'archer. Tour d'archer qui est en rapide ici. On va déjà attaquer, il y a le temps qui est activé. On va partir sur la gauche, comme ça, on va cliner ça. On va mettre les deux Yeti ici vers la droite, on va cliner un peu à droite. On va essayer de faire rentrer notre combo en haut. J'espère que ça se passe quand même bien. L'ouverture avec la charrette se passe bien. Ah, j'ai pas mon roi, mais c'est pas grave, il est en train de se former. Il est en train d'upgrade. On va y la championne. On peut peut-être mettre un petit rage histoire que ça fasse max damage au milieu. Oh shit, il y a un CDC. Oh my god, ok. On va peut-être mettre le Warden. On va se mettre un soin au milieu centré. On va remettre un petit rage. On va geler vers la droite, histoire que la championne reste en vie, on va remettre un petit soin vers la gauche, mais je sais pas si ça va rester en vie, tout ça, on va peut-être enrager encore au milieu, on va activer le pouvoir de la championne. La championne qui a un phoenix, fait que si elle meurt, elle a encore une chance. Elle se prend une bombe géante, mais c'est correct. Je crois que ça va sur peut-être un perfect, ouais, il reste encore le P.K. pour tank. La championne, elle va aller take ça, elle va aller take la big monolithe en bas. Il y a peut-être la tour unique qui fait chier vers la gauche, mais... Ok, la championne qui fait un désastre, elle fait un carnage en bas, là. Elle est en train de niquer tout le monde, check à bas. Là, en plus, elle va... Elle die même pas, hein. Elle a un HP, mais elle die même pas. En plus, il reste le pouvoir de la reine. Bon, on est sur un full perf. Ah, il reste les héros en bas. Okay. Ah, ben là, ok, ouais. Le phoenix est activé avec la championne. Je pense genre dans des teams pro, je sais pas si c'est pour toi. Les e-sports, des teams e-sports pis tout, mais il faudrait que je change de clan pis tout ça, curieux. Mais je suis quand même bien, au moins j'ai pas de stress, j'ai déjà être content créateur. Là par contre, ça va se jouer sur le temps. On a une minute. Ah, le boulis va partir comme un gros con tout seul là-bas. J'aurais aimé ça que ça reste tout ensemble. Ah, là, l'autre bougie aussi. Ah, guys, je crois qu'on manque de temps, no joke. Ouais, on manque de temps. La reine elle va aller avec le Warden vers la droite en haut. Ah, le Phoenix. Ah, le Phoenix clean. Je sais pas par où ce qu'elle va passer, la reine, mais qu'elle revienne, elle peut passer par en haut, mais 30 secondes. Je crois que c'est trop short, hein. Je crois que c'est un fail. Je crois que c'est un 99% lost time. Fuck! Big! On était quasiment sur un 100%, l'attaque était très jolie, on a juste perdu un peu sur le temps. No way! À moins que j'active le pouvoir de la reine puis ça clean. Go! Pouvoir de la reine! Pouvoir de la reine, guys! Peut-être! Ah, il reste... Ok, le camp. Hey, let's fucking go! C'est un 100%, man! À 5 secondes de la fin, let's fucking go! Le pouvoir de la reine, il était clean, pour vrai. Let's go, guys! Ah, c'était magistral, c'était magnifique comme attaque. On s'est reformé une petite armée. On va aller se mettre bien en CDC. On s'en remet full avec les médailles. Si je réussis à cliquer dessus. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on peut se lancer quelque chose dans le labo histoire qu'on ne perde pas trop de temps? Je crois pas encore. C'est 17 millions, j'ai 13 millions. Guys, n'hésitez pas aussi dans la boutique, une statue gratuite à récupérer tout à droite. Il y a des potions aussi qui donnent dans les deux derniers jours, on a donné des potions gratuites. Ah, comme je disais, que Ria, genre déjà juste le contenu que j'essaie de créer, les vidéos TikTok, les live Twitch que j'essaie de faire aussi à chaque jour, c'est un peu compliqué aussi de rentrer dans une team esport là. Mais j'aimerais bien, mais je crois que de toute façon, il faudrait que je sois genre à faire full perfect. Perfect, faudrait que je sois. J'en fasse encore plus. Faudrait que, genre, 100% du temps, ça soit uniquement perfect. Genre, faudrait que je rentre aussi dans des gros clans. Faudrait que je prenne contact avec du monde qui font des sports, en fait. Ça demandera encore plus de temps, là.
Gaël sont en train de se trouver. Oh, 1 million $! Qu'on perfect, ça l'a. On finisse le live sur un big perfect comme ça, ça serait joli. On va essayer de partir vers en haut à gauche. On va essayer de prendre le. C'est quoi, c'est la championne? La championne, la reine. La petite tour ici qui fait. La tour d'Argelessa qui fait très mal avec l'aigle. Je crois que si on place à peu près ici, on met ceci, golem de glace, ligne de sorcière. On va faire rentrer la reine, on va mettre les bouddhistes, les yétis, le PK, le warden. Là c'est chaud par contre, j'ai besoin de mettre mes sorts, mettre la championne. On va congeler ça ici, On va enrager vers la droite, on va enrager vers la gauche. On n'a pas pris le milieu par contre, mais il reste l'espoir de la championne. Mais je crois pas que ça passe par contre les gens, c'est chaud là. Là c'est chaud. Okay, la championne qui va essayer de take. Le pouvoir du Warden qui est activé. À cause de la fucking TDE unique. L'HDV qui va faire trop mal, c'est un big fail. Je crois même pas qu'on fait le 2 étoiles. Ça a pas rentré comme je voulais. Regardez l'ouverture, elle s'est fait là, mais la charrette elle a pas fait d'ouverture là. Fait que ça a fait que ça a tourné. Quand même prendre un, on va quand même faire un 75% une étoile. Bon, on a quand même fait un clean perfect juste avant. Fait que, on va dire que c'est rentabilisé. L'unique qui finit les petits squelettes en haut. Il nous reste la reine avec la licorne. On peut peut-être aller chercher 80. Si la reine, je crois que la reine va aller ici en haut. Elle n'ira pas en bas. Prendre plus de pourcentage. Ouais, partie en haut. Elle touche pas les licornes. La licorne a guéri à mesure, mais ça reste que c'est pas rentable comme guérison. Il nous reste le pouvoir de la reine quand même. Ouais, on va activer le pouvoir de la reine. On a été chercher le 80%, 81, 82. Juste pour dire qu'il restait l'HDV au milieu. C'est juste parce que ça n'a vraiment pas rentré. Il reste quoi là? Oh, il reste des petits warriors en haut. Là. C'est un petit squelette sur la droite et la gauche. Mais on comptera pas sur eux, on va finir ça là-dessus. GG! GG guys! Oh, on va former notre petite dernière armée. Puis on va se retrouver bientôt pour le recap de la guerre contre... on va s'appeler... ça, je crois que c'est de l'écriture arabe quelque chose comme ça. On va les appeler les anonymes. Contre le clan anonyme level 16, c'est soit ça va finir sur une égalité full perfect, ou soit ils vont nous briser notre série de 5, ou soit on va leur briser leur série de 14. Ce qui serait génial. Hein. Ce serait énormément bien. Là. Une série de 14, pour vrai, ils vont pleurer en face si on leur cause ça. Là. Puis bientôt, on va pouvoir lancer quelque chose dans le labo, mais pas tout de suite. Il manque encore. Ah, il y a un truc à 16 millions ici. Oh, il nous manque encore 2,5 millions d'élixirs mauves à peu près. On a boosté. Ah, j'avais boosté mes extracteurs, mes mines d'or tantôt. Je crois que ça va ressembler. Ouais. Qui c'est qui cheat, Curia? Merci, Mikob. Ouais, il y a les articles gratuits dans la boutique. Là, ils ont fait on dirait qu'ils ont fait un affiliate avec un joueur de soccer. Je sais pas ce que je pourrais le voir. T'as peut-être ici. Ouais, ici. Comment il s'appelle? C'est Alan ou je sais pas trop, ouais. Il y a un event de lui dans 6 heures. Je sais pas ce que ça va être. Là, ça va... Mais pour vrai, là, moi, je m'en bats les couilles. Là. Il m'énerve. Là. J'étais curieux de voir la face. Je vois la face quand j'ouvre le jeu. Je vois la face tout le temps. Et... Je sais bien qu'ils ont une ils sont... Et même le poste de combat, je crois que... comme skin à la fin. Non, ils l'ont mis au début, je pense. Est-ce qu'on... Attends, c'est lui ou mon roi? Il est en haut, là. Ah, oh, je l'ai pas, non. Je pense que tu la jettes. Mais bon. Ça m'intéresse pas tant de l'acheter, là. Mais, ouais, ok, ouais, on peut le voir ici. Je crois, à droite, ouais. C'est le roi Aland! Le beau roi Aland! Pour regarder la skin... C'est le meilleur attaquant de soccer au monde, ce mec.
à ce qui paraît, là, ce que Clash of Clans dit, j'imagine que c'est vrai. Là. Fait que j'imagine qu'il y a eu une collab avec Clash of Clans, avec Supercell. Puis ben, ça, ils ont mis le skin, puis ils ont mis sa tête partout. Puis ben, moi, je suis pas fan, j'aime pas avoir à attaquer avec la tête d'un autre mec. J'aime bien le petit roi des barbares, j'aime bien aussi ma reine. J'ai mes petits skins aussi que j'ai, là, que j'avais acheté il y a pas longtemps. Fait que on va cesser là-dessus, guys! Gros live de 50 minutes. Pas fait là 1 heure, mais ouais. On va se retrouver bientôt pour la 100e victoire. On est en route vers le clan 12 aussi. Alors, on va se dire à plus. À la prochaine pour le prochain live. Sûrement le prochain live, peut-être COC ou Sea of Thieves. Ces temps-ci, je graine Clash of Clans aussi parce que j'essaie d'être partenaire avec Clash of Clans, guys. Fait que. Merci d'être là, merci d'être présent parce que le partenaire Supercell, je suis quand même assez dur à grind. Il me faut des lives sur Clash of Clans. Il faut que je publie pas mal de Clash of Clans. Fait que on va avoir pas mal de Clash of Clans. Mais sinon, j'essaie de mixer à travers avec du gros Sea of Thieves. Un jeu que j'adore, que je kiffe énormément. Il va y avoir des lives, sûrement le prochain live Sea of Thieves. On a beaucoup de quêtes encore à accomplir. Ça va être pas mal du Sea of Thieves après le grain Supercell. Vous allez voir, pas mal de Sea of Thieves. Fortnite, j'ai pas mal slacké. Là. Ça fait du bien d'arrêter un peu Fortnite. Même les COP, je les fais plus trop. Ça m'intéresse plus trop. C'est quand même 7 ans que je joue au jeu. Peut-être je vais y retourner, mais... Pour l'instant, on est sur Sea of Thieves et le grain de Supercell. J'espère qu'on va avoir le grain de Supercell. Parce que quand on tombe partenaire Supercell, on a. Selon le contenu qu'on crée et tout, là, on peut avoir des récompenses qu'on peut avoir, etc. Ça a quand même ses avantages. Mais bon, on va cesser là-dessus, guys. Je vous dis des bisous à tous. Merci d'avoir passé sur le live. La radio va être sur YouTube encore une fois. N'hésitez pas à aller liker, vous abonner, aller la visionner si vous avez manqué une partie du live. Puis, on se dit à la prochaine. Activez la notif sur le live pour savoir quand je suis en live, pour être à l'affût de tous mes lives. À la prochaine, guys! Peace, tout le monde!